On avait fait un chemin de la même taille que tous les rouges. On avait pris comme ça, comme base. Oui. Hein? Ça, c'était notre base. C'était le plus grand. Oui, il fait 10. Et il fait 10. On avait 10. Vu. Comment on avait. Alors, expliquez à Serge comment on sait que ça, c'est 10. Non, on va essayer de voir si Asya peut expliquer. Ça, c'est le moyen. Ah, c'est pas seulement parce que c'est le plus grand que c'est 10. Yann, qui a un moyen aussi. Ben, on fait avec les blancs, ça fait la même taille quand on fait. Ça fait. On fait 5 par 5, ça fait 10. Alors, on y va, on regarde si Yann a donc dit. Tu peux reformuler, Julia, qu'est-ce qu'il a dit exactement? D'accord. Il a dit, Yann, que si on en prend 5 et qu'on en prend encore 5, mais n'importe les 5, ils sont de quelle couleur? Il a dit d'après. Voilà. Là, j'en mets. Là, j'en ai mis combien? 5. Ici, j'en mets 5. 10 carrés blancs et une barre orange, c'est 10. Oui, mais donc c'est pareil. Là et là, c'est pareil. On est d'accord? Il faut toujours que ça se mette. Tu, tu peux montrer en bougeant exactement ce que tu veux dire? Montre ce qu'il faut pas faire. Montre ce qu'il faut pas faire. La ligne soit de la même couleur. Donc cette ligne là, ça va être une couleur. Oui. Cette ligne là, ça va être une couleur. Là, ça va être une couleur, une couleur, une couleur, une couleur, une couleur. Quand vous allez devoir choisir votre couleur, est-ce que vous êtes obligé de compter combien il y en a? Non. Comment on va essayer de faire? D'accord, mais comment vous faites pour trouver? Bah, je suis d'accord, mais comment vous faites pour trouver? Est-ce que dans votre tête, vous vous dites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est 9. Ou est-ce que vous faites autrement? Moi, dans ma tête, j'ai séparé et puis j'ai vu que 3 et 3 et 3, ça fait 9. Et du coup, après, je me suis dit que le 9, c'était 9. Voilà. Attention, Margarida. Combien t'as de couleurs différentes? T'as qu'une seule couleur, nous on veut deux couleurs. Alors qu'est-ce que vous allez devoir faire? Trouvez-moi un autre moyen de faire 4 alors. Moi, oui. Comment on peut faire 4? 4, on peut faire un blanc et encore un blanc et encore un blanc. Et donc t'as combien de couleurs différentes? Je sais. Ah, juste deux blancs et encore un. Deux blancs et encore ça? Mais avec que deux barres, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, trois et encore un. Ah, très bien. On a déjà mis deux fois ça, mais on est dans le chronomètre. Alors, bah, je sais pas comment on pourrait faire. Mais alors, comment on pourrait faire trois et encore deux avec d'autres choses?
Ça fait combien? 3 et encore 2. On peut mettre 4. 4 et encore combien alors? 4 et encore 1. Attends, il vérifie. Bah non, ça va. Ça peut pas. 1, 2, 1, 2, 3, 4 et encore 1. Ouais. Ça marche? Oui, il faut qu'on en... Si on met très petit peu de couleur, alors on va mettre 1 orange et 1 blanc. 4 et encore 1. Tu le mets? 4 et encore 1. Allez, tu vas chercher. Alors montre-nous si ça marche. 4 et encore 1. 4 et encore 1. Oh, trop bien. Allez, encore 4. Ça te convient? Tu as pris combien en tout? Ça te convient ce qu'elle t'a donné? Maîtresse, est-ce qu'on a le droit, Liam? Est-ce que c'est bon? Oui. Alors allez, on y va. Quoi?